Comme disait Leonardo dans la plage, this is fucking paradise. You're keeping me on. Encore, encore. Yeah, I'm strapped in. Stuck in a song. You can't turn off. Like a merry-go-round. My head is spinning. C'est parti, les amis! Et c'est le début de l'aventure avec le TTM Papadam. C'est de l'aventure, les poupons. Ça bouge. Oh là 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 là. Salut la famille. J'espère que vous allez bien. C'est la Déglingotive. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. On est sur Colipé et on a décidé de vous montrer ce qu'on pouvait faire sur 5 nuits sur cette île magnifique. The singing lake, do you know that one shoulder? To look for some miss for some bad climbing. Come on now, follow my lead. I'll be me crazy, stop at me, say boy. Let's not talk too much. Get out my wisdom, put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. Franchement, les amis, ça déchire. Juste content et heureux, ça. C'est les vacances. Ça, c'est les vacances. Franchement, ça fait plaisir, c'est hyper agréable. Je peux que vous recommander Colipé, le coup de cœur, vraiment magique. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu cette petite cette deuxième plage, c'était magique. Vous avez vu, changement de style, je suis en mode local, on va dire. En tout cas, quoi de mieux pour finir et conclure cette petite journée qu'un petit coucher de soleil. On a repéré une petite plage au loin là-bas, on va essayer d'aller filmer ça. Allez, on y va, let's go! On est parti sur un petit spot de l'autre côté de l'île. La plage s'appelle Sunset View. On passe à travers l'hôtel. Et là, je crois qu'on arrive sur la plage. Ça a l'air. Voilà. Ah. Et Yosh les amis, nous voilà de retour. Après ce coucher de soleil merveilleux, on a passé un moment romantique pour royal. La Saint-Valentin. Notre Saint-Valentin, c'était magnifique. Et là on est parti dans la rue principale. La Walking Street, là où ça mange, là où ça picole, là où ça fait la fête. En tout cas, on va essayer de trouver quoi, un petit restaurant. Tu retournes un petit barbecue avec du poisson, des fruits de mer. Ouais, on voilà. En a vu plein là. Ouais, le petit stand de poisson qui est juste là. Il va faire grave plaisir. Wow.
Bon les amis, on a trouvé notre adresse, ça a l'air trop bon, vous avez vu l'entrée, la devanture. Il y a du poisson en folie. J'ai hâte. Bon bah voilà. C'est ce qu'on va manger quoi. On a choisi la bête, un 6 basses et 2 maxi crevettes. Bon les cocos, ça vient d'arriver, c'est magnifique. Bah alors là, le poisson avec la lemon sauce, le petit pineapple rice, et ça c'est des petits calés. Ce petit riz là, juste magnifique. Ce restaurant, si vous aimez les poissons et les fruits de mer, c'est une dinguerie. Top. Magnifique. Magnifique, franchement, waouh. Et ben on peut dire qu'il y a mangé là-dessus. Oh la bestiole. Ah et on prend dans la sauce ça. Bon. Enfin, t'en as mangé. On a craqué complètement. Je vais vous montrer un truc. Tadam. Craquage ultime. Et voilà les amis, on a fait un repas, un festin, c'était magnifique. Donc vous avez vu, ça parle même, on sait pas quoi dire, on n'a pas de mots tellement dire. La seafood ici est extraordinaire, c'était vraiment magnifique. Allez, on enchaîne. Et voilà la team, on est de retour pour une nouvelle journée au top. On a réservé notre bateau privé à la journée, 2800 bahts, on fait le tour des 7 îles en famille. On sera tous les 5 tranquillement installés. En tout cas, ça a l'air top. Le temps, vous voyez, il est magnifique. Ça va être chaud. Tété, t'y vas ? On va par là-haut ? Oh, Tété, va dans le bateau. Oh, bye bye, Tété. Allez. Ça va. Ah, c'est du sport. Hein. C'est bon. Le tour à la journée qu'on a pris par juste devant le Sunset Bayview Resort. C'est pas mal hein. Et en plus ils font des bons petits packages repas. Ça va pas être juste un vieux truc pourri. Il y a de la tortilla et il y a des riz frits avec des bananes, des légumes, donc ça va être pas mal du tout. Franchement, c'est cool. Sublime. Alors c'est beau? Magnifique. Sublime. Waouh, comment ça? C'est une dinguerie ce truc, c'est énorme. Titi, est-ce que c'est beau? C'est beau hein? Allez nage. C'est beau. Souffle avant hein. Bon, le premier spot, franchement, complètement délire. Sublime, c'est super profond, du coup, on peut pas trop descendre, parce qu'on est quand même assez loin des fonds marins. Mais alors, qu'est-ce que c'est beau! C'est beau? T'as vu des poissons? Ouais? Ils sont comment les poissons? Super! Ils sont comment? Masque à maman. Super? Montre! C'est super comment? Montre le pouce à papa! Ouais! Je sais pas si vous voyez là, mais il y a juste une méduse de dingue juste en bas là. Elle est hallucinante, elle est énorme. C'est juste flippant, je me disais que ça picotait un peu dans l'eau, mais là... Bienvenue à Kodong Island, les bébés. C'est la folie encore.
Honnêtement les cocos, il n'y a pas de mots. Alors là, c'est le plus beau spot de la journée, on est sur une autre planète. Alors là, c'est... What is the name? Lochroy Island. Noclam? Lochroy Island. Lochlo? Lochroy. 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 Nokoy. Nokoy Island, les bébés. Mon. Ah ouais, là... C'est juste scandaleux, quoi. Là, c'est... l'eau, elle est claire, mais... Oh là là. Est-ce que ça vous a plu cette petite île? Ouais, ouais. Est-ce que c'est bien, Titi? C'était bien? Ouais. Est-ce que c'est bien que la déglingotime? Ouais. Bon, blague à part, petite anecdote, on a eu de la chance parce que cette petite plage, elle est accessible qu'à marée basse. Il expliquait qu'à marée haute, vous ne la verrez pas, donc on est tombé juste pile poil à marée basse, cette plage existe, sinon... Pas de plage. Pas de plage. Ouais, alors ça, voilà, ça c'est la dame là. Pas de plage. Quoi. Allez, let's go, on enchaîne. Bon, parce qu'on se doit de vous donner toutes les infos, et il n'avait pas précisé, quand on arrive sur Kokuratao là, comme à Koh Lipe, on a dû repayer 200 bahts par personne pour l'entrée du parc. Bon, je me voyais pas à mi-chemin du parcours dire oh non, aujourd'hui on n'est pas intéressé. Bon, ça fait 6 euros par personne, bon, vu le paradis, ça se paye quoi. Mais bon, il ne nous l'avait pas dit au départ. Qu'est-ce qu'on mange de bon? Alors, il y a de la tortilla, Tortilla, la tortilla, miam miam. T'as faim, Titi? Est-ce qu'elle est bonne la tortilla? Ouais, il y a 4 barquettes. En fait, il y a 4 barquettes, on a pris 2 riz, 2 tortillas. C'est bon? Tu fais comment avec le pouce? Bah, on va faire une tortilla à un riz avec maman. Ils sont où? Il y a un bébé, je sais pas où il est. Il est là-bas. Qu'est-ce que tu dis au singe? Là! Ils veulent te manger ta tortilla? Bah, vite, faut la manger vite alors. Alors, c'est énorme là, t'as les. Ils ont déjà piqué une barquette de riz frit à côté là. Et t'as les gardes là qui sont. Ils essayent de les chasser pour pas qu'ils viennent nous piquer la bouffe quoi. C'est énorme. C'est énorme.
sont barrés. Regardez, il est parti avec les gâteaux. Oh là. Il est parti avec le... C'est énorme. Oh, vous venez de voir en live pourquoi faut faire hyper gaffe aux singes. Ils sont malins comme des singes. Allez, on enchaîne, on retourne sur le bateau. Bon, bienvenue sur Coingan, les amis. Celle-là, c'est de la caillasse. Hein. Alors, à mon avis, les pavés vont être très chauds. Vous voyez, c'est une galère. Une belle galère. Bon, je vous avais pas menti, hein. Les pavés, là, c'est une vraie galère. Alors, la question, c'est comment autour de toutes les îles, il y a du sable ultra fin partout, pourquoi il y a des galets en plein milieu, ouais. Est-ce que tu as une explication scientifique? Oui. C'est pour que je puisse pas casser la gueule. Bon, bah, désolé, hein, la famille. Je vais partir voir là-bas. Vous voyez la petite le fond là-bas? Magnifique, hein. Je vais partir avec le drone. Et j'ai la police qui est arrivée. Ils ont dit désolé, pas de drone. Je sais pas, il m'a pas donné de raison, mais bon, c'est comme ça, pas de drone. Moi, j'ai l'explication. C'est l'île où à peu près tout est interdit. C'est le dieu de Turatao. Il a dit que celui qui prenait des pierres et qui les ramenait chez lui, il serait maudit d'un accident fatal. Et la vie de famille serait altérée fortement. Vous serez jeté de votre position actuelle, donc au taf, vous allez perdre votre boulot. La perte de la propriété, de la fortune et la perte de la vie, voilà. Donc il faut surtout pas prendre de cailloux de cette île, sinon vous êtes mal. De plus, si vous décidez d'avoir la bonne idée de faire... Vous voyez les petits tas, hein ? Vous savez les petits tas de cailloux, là ? Eh ben, c'est 500 bahts si vous faites un petit tas de cailloux. Donc, on ne touche surtout pas les pierres de Turatao parce que vous serez maudit à tout jamais. Bon, bah, surtout, c'est tout, hein. Je vais même pas tenter de pisser, quoi. Des fois qu'on me la coupe. Et voilà les amis, ce vlog se termine, j'espère qu'il vous a plu. Bon, j'avais pas de conclusion, donc j'improvise. En tout cas, j'espère que ce format un peu plus long vous a plu. Il y avait beaucoup d'informations dedans, il y avait beaucoup de choses. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. On a passé une petite semaine de dingue à Koh Lipe, c'était vraiment génial. Donc voilà, si vous avez kiffé, bah, comme d'hab, le like, le partage. Je vous prépare un tuto spécial sur Koh Lipe. C'est simplement comment venir à Koh Lipe, comment se déplacer, comment venir de Langkawi. J'ai tout filmé, le bateau, les excursions, la tente sur la plage, le passeport et tout et tout. Donc voilà, je vous fais des bisous. C'était la Déglingotime en direct de Koh Lipe et de mon studio d'enregistrement, le Poké Déglingo Studio. Je fais des bisous. Allez, bye bye. À bientôt.